Salut, j'espère que ça va bien. On est vendredi le 2 novembre, puis aujourd'hui c'est la fête à Tommy. Fait que, en fait, on fait comme rien de spécial. Aujourd'hui, c'est plus demain, il y a nos familles qui vont venir, on va manger la pizza. Moi, j'ai fini de travailler, je suis en train de faire à souper. Zach est en train de manger des petites chips. J'ai tout ça dans ses bonbons d'Halloween. Genre, ça ressemble à des petites crottes jaunes, mais popcorn twist. En tout cas, bref, c'est bon. Fait qu'il est en train de manger ça tranquillement comme dessert. J'ai mis l'émission sur Netflix. Ça s'appelle Robocop Poli. Et honnêtement, là, l'émission est bonne, mais c'est le pire jingle d'introduction et de générique là, que tu peux pas avoir. Honnêtement, là, c'est l'enfer comment que ça rentre dans la tête puis que... Ouais, je le chanterai pas, là, mais moi pis Tommy, c'est rentré un inside, là, chaque fois que ça joue. Ça veut du temps? Oh! Wow! Tu fouilles toi-même dans le sac! Regarde, on va tasser l'eau. Comme ça, on va tasser l'eau. Mets-les ici. Tu fais bien. Ouais. Fait qu'on a un petit monsieur ici qui est revenu de la garderie. Ça l'a bien été aujourd'hui. Fait que tu t'étouffes pas, hein? Non! Et là, tantôt, je suis allée à la salle de bain et j'ai eu la bonne idée de mettre mon téléphone cellulaire sur mon genou. Puis, j'ai bougé. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Ça! Et mon téléphone est tombé sur la céramique. Mais au moins, il fonctionne. Mais c'est juste que là, il est comme dégueu, là. Il faut faire attention parce que c'est accrochant. Fait que je peux me couper. Mais là, mon cellulaire, c'est ça. Il a de l'air tout craqué comme ça. C'est la première fois de ma vie que je casse un cellulaire. Fait que mettons que depuis, mettons, 13-14 ans que j'ai des téléphones, c'est la première fois. Et... Mais bon, c'est la vie. Fait que je vais regarder qu'est-ce que je vais faire, si je le fais réparer ou si je le change. Je pense que mon contrat, il est dû dans 6 mois. Fait que je vais voir qu'est-ce que la compagnie Vidéotron peut faire pour moi. Là, je suis en train de faire cuire des oignons, que d'ailleurs sont un petit peu trop grillés en ce moment. Je vais le baisser. J'ai ici des patates qui sont en train de cuire. Puis, je vais faire une recette qui est typique, en fait. En fait, c'est mon chum qui m'a dit de faire ça la première fois. Je vais faire amener la viande hachée avec des oignons. On va avec une canne de Macédoine, un mélange de légumes, avec de la sauce brune, un peu de fromage avec des patates pilées. Que c'est une recette simple, mais bon, efficace. Puis ça va faire des restants pour que je puisse donner à petit monsieur ici en fin de semaine. Fait que je suis en train de faire ça tranquillement pas vite. Puis ouais, c'est la vie. Fait que j'ai ma tablette au pire, mais là, mon téléphone, je vais le laisser. Ah, t'as fini? Merci. Maman va le mettre à la poubelle. Bon. Fait que là, j'ai de la vaisselle à faire. J'ai ma viande hachée quand même de décongeler. Et c'est pas mal ça. J'ai mes deux gâteaux qui sont en ce moment dans le frigo. Puis je vais les mettre au congélateur parce que ma belle-mère m'a dit que c'était plus facile à glacer quand ils allaient être un peu congelés. Fait que je vais mettre ça au congélateur ce soir. Là, ils sont comme très froids. Puis là, j'ai acheté... Pour faire la recette, j'ai acheté le beurre d'arachide sans nom. Parce que je voulais pas comme prendre mon beurre d'arachide Kraft. Puis honnêtement, là, il est vraiment bon. Il goûte vraiment les pinottes. Qu'est-ce qu'il y a? T'as fini? J'ai un gogo qui est fini. Mais bref, je vous le recommande. Si vous voulez un beurre de pinottes vraiment pas cher, là, il est vraiment bon. T'es menti comment t'es bon pour descendre? Prends ma main. Viens, debout. On dit-tu bye à l'émission? Non? OK. Hey, Zachary! Qu'est-ce qu'a fait la vache? Meuh. Qu'est-ce qu'a fait la vache? Meuh. Ben oui! Maman? Quoi? Maman? Oui, maman est en train de cuisiner. Ah, salut! Ah, je suis en train de faire la vaisselle, puis je voulais montrer de quoi ça avait l'air le plat que je suis en train de faire. Là, c'est au four. Fait que là, c'est de la viande hachée avec les légumes, le fromage, je suis en train de gratiner, j'ai fait mes patates pilées. Fait que c'est en train de cuire.
Puis là, faut pas que je l'oublie parce que il est à broil. Puis on le sait que quand c'est à broil, ben ça peut brûler rapidement. Puis j'ai donné le bain à Zach. Et je sais pas c'est quoi, là, il est timé, là, il a toujours envie de faire un numéro 2 quand il est dans le bain. Mais là, il commence à forcer, puis il est dans le bain. Fait que je le prends, je l'assois sur le petit pot, il a été assis sur le pot pendant 5 minutes. Puis à un moment donné, il s'est levé debout. Ben, il avait fait la chose, puis il était collé après ses fesses. Fait que son caca tombe à terre. Fait que j'avais un caca à terre. Fait que, ouais, quand on est maman, ça a l'air que faut qu'on s'attende à ramasser plein des affaires. Fait que pendant que je suis en train de finir le souper, Zach est en train d'écouter une petite émission tranquille. Puis après ça, on va aller jouer un peu en bas. Je vais aller l'énerver comme il faut pour qu'il soit capable de s'endormir. Ces temps-ci, il s'endort genre à 9h. On change l'heure en fin de semaine. Mais je suis pas sûre qu'il va le comprendre, ce principe-là. Fait que... Ouais, c'est en train de crier. Ouais, fait que en changeant l'heure, j'ai comme bien peur que le matin, il se réveille pas mal trop tôt. J'ai peur de voir. Tu sais, l'année passée, il était bébé, là. Fait que je m'en suis comme pas trop rendu compte, là. Mais là, on dirait que j'anticipe la fin de semaine. Mais bon. Puis, mes beaux-parents arrivent demain matin. Puis, on est censé aller en fin de semaine au Costco. Puis, on est censé aller visiter des maisons à vendre pour mes beaux-parents qui veulent éventuellement un jour se rapprocher. Fait que je sais pas quand est-ce qu'on va aller visiter. Peut-être dimanche, peut-être demain. Je sais même pas c'est quoi les plans. Je sais juste que demain soir, il y a un match de UFC. Fait que on va aller voir Daniel Cormier se battre. Puis il y a un bar sportif proche de la maison. Fait que mes beaux-parents risquent de s'occuper de Zach. Ben en fait, on va plus le laisser ici. Puis le combat il est comme à 10h le soir. Fait que on va laisser Zach ici. Puis on va aller... manger un nacho, puis écouter le combat de UFC demain. Ben c'est demain, dans le fond, samedi, demain soir. Ça a l'air de la cochon! Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. C'est encore en train de bouillir. Et j'ai mon petit fromage qui a cuit. Fait que ça va être bien bon. Pas très santé, là, mais j'en mangeais pas beaucoup. Puis ça va faire des restants aussi que... Il est 6h49. C'est sûr que je ne souperai pas tout de suite parce que je vais aller jouer avec Zach au sous-sol. Maman. Oui, faut trouver de bas. Tu dis que maman passe avant? Non? T'es capable? Oh non! Qu'est-ce que tu fais avec ta... Ah non, tu touches pas au sambon, Bjark. Bjark. Allez. Oh. Papa est au téléphone. Ah, papa est plus au téléphone. On se voit, papa? You? You? Oui, allô? Oui, allô? C'est qui cogne? C'est qui cogne? Vas-y! Pendant que lui joue, moi je plie du linge et j'écoute les gros. C'est vraiment bon comme émission. Qu'est-ce que tu fais avec ton chien? Boum! Oh, il est tombé! Le carré, qu'est-ce que tu fais? Le carré? Qu'est-ce que tu fais? Ben enlève-la, c'est pas moi qui te l'ai mis sur la tête, c'est toi-même. Coucou!
Oh, il est fatigué? Tu vas faire dodo dans ton lit? Va faire dodo dans ton lit! Et mon voyage. Fait que finalement, Isaac il était pas allé se coucher, il était parti chercher son radio dans la chambre, puis il l'a emmené dans la cuisine. Puis après ça, on est allé jouer au sous-sol, puis c'était énorme en masse. Puis là, je suis en train de ramasser la vaisselle du souper, puis là, j'ai fait une petite surprise à Tommy, il finit de travailler en 15 minutes, puis j'ai préparé une assiette de fruits. Puis il y a une canne de chocolat favori qui est en train de cuire. Fait que j'ai préparé une petite fondue au chocolat pour sa fête. Fait qu'on va manger ça tranquille en tête à tête quand ils vont finir de travailler. Fait que j'ai bien hâte de goûter. On a choisi ça à l'épicerie la semaine passée. C'est dans le fond pâte à biscuits, je pense. Puis là, ça a dit de cuire pendant 20 minutes de bouillir. Fait que là, je l'ai mis dans mon chaudron. On a choisi genre une giga canne que la balance de chocolat qui va rester, je vais le mettre dans des petits moules pour faire des petits chocolats à manger. Fait que je vais laisser ça bouillir 20 minutes jusqu'à 37. Timer. Puis je vais ranger le souper. Ben, qu'est-ce qu'il reste en fait? Parce qu'il reste quand même pas mal de choses. Fait que je vais tout ranger ça. Ah! Puis je t'aurais écouté. Émilie! Fait qu'Émilie est en background. Ça, c'est Tommy qui essaie de comprendre la logistique des plats. Je lui ai demandé de placer les plats dans l'armoire. Puis il va comprendre mon désarroi. Tu sais qu'il joue plus avec l'armoire, ça me dérangerait-tu peut-être la replacer une fois dans la nuit? C'est parce que je la place pas mal tout le temps, mais il fouille encore dans l'armoire. À matin, il était dedans. Comment tu peux rentrer dedans? Il est plein de notre plat. Fais-moi pourquoi. Lui, il peut aller en dessous, le long. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Il essaie de mettre un autre plat pour bloquer les autres. Puis là, il va fermer la porte, ça va faire prrr. Ok, j'ai aimé le plat que t'as mis, comme pour pas qu'il trouve que ça tienne. Ça tient. C'est ça que tu m'as demandé. T'es placé. Tu m'as dit de le placer, tu m'as pas dit comment. Ça traîne plus. Bon, on va aller sortir ça, cette canne-là. Coupé. Oui. Chat.